Donc, en 2006, la France s'est dotée d'une stratégie interministérielle sur la gouvernance démocratique pour essayer de repenser ses modes d'action sur l'accompagnement des pays en voie de développement sur leur propre mode de gouvernance. Comment aider sans imposer, sans transposer de modèle, un État à se refonder au service de sa population et au service des services qu'il doit remettre à la population. Donc cette stratégie s'est déclinée en un certain nombre d'actions, notamment la mise en place d'un instrument financier pluriannuel d'accompagnement de cette stratégie gouvernance démocratique en Afrique, qui a permis à la fois la mise en place d'un institut africain de gouvernance basé à Dakar et le financement d'un parcours de débat et de propositions sur la gouvernance en Afrique, avec 5 étapes. Bamako, Arusha, Johannesburg, Yaoundé et l'année prochaine au Caire, afin de, en 2012, restituer les idées et les propositions de tout le continent, de la société civile du continent, de cette restitution auprès de l'Union africaine. Par ailleurs, la France continue d'autres actions pour justement une nouvelle lecture de l'état de droit. Encore une fois, l'idée, c'est aucun transfert de modèle, mais réfléchir ensemble à des modèles qui puissent articuler toutes les légitimités internationales, locales, nationales, mais aussi, pourquoi pas, traditionnelles, religieuses, pour que l'État joue son rôle de régulateur au service de la société. Donc ça, c'était l'idée. La France a soutenu la publication d'un livre sur la gouvernance démocratique, nouveau paradigme pour le développement, une enquête auprès de l'OCDE, et ainsi, ça nous permet d'avoir auprès d'un dialogue international nos idées au clair pour les défendre dans les enceintes multilatérales, mais aussi auprès de nos partenaires bénéficiaires de notre aide. Et je pense que ce qui est en train de se passer ici, comme l'a rappelé l'ambassadeur hier soir, c'est justement ne pas plaquer de modèle, mais d'accompagner toute une société et des institutions à mieux dialoguer entre elles.